Qui ça? Mettre un enfant au monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas que les enfants, c'est mal. On était tous des enfants il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de savoir si les enfants, c'est bien ou mal. C'est une question stupide. Ce n'est même pas une pensée. D'accord? C'est une chose stupide de se demander si c'est bien ou mal. C'est juste que... Il fut un temps où une femme avait facilement une douzaine d'enfants au cours de sa vie. Et c'était normal. Trois, quatre d'entre eux mouraient, sept, huit vivaient. C'était normal. Maintenant, la plupart des femmes qui ont des enfants ici en ont probablement deux. Certains se sont faufilés et ça en fait trois. En général, la plupart des femmes ont... Y a-t-il beaucoup de femmes? Laissez les femmes de plus de 50, 60 ans. Les femmes plus jeunes, y a-t-il quelqu'un qui a 4, 5 enfants ici? Presque personne, n'est-ce pas? Mais si vous posiez cette question il y a environ 50 ans, quasiment toutes les femmes au début de la trentaine auraient eu 5 enfants ou 6 enfants. Donc vous, quelque part, vous êtes devenu sensé. Vous avez décidé qu'au lieu d'en avoir 6, ayons-en 2 ou 1. Donc si vous pouvez avoir au moins ce niveau de bon sens, en ce moment, on en est à un stade où, si on doit nourrir, vêtir et offrir une vie décente à ces 7 milliards de personnes, on a besoin, pour les niveaux de vie qu'on a en tête, pour les niveaux auxquels la plupart des gens aspirent, on doit importer nos ressources d'au moins 3 autres planètes Terre. Il nous faut au moins 3 planètes de plus. On pourrait le faire, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Si elles étaient là, pas de problème, on aurait pu aller tirer une planète près de nous et utiliser cette planète, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve cette autre, c'est bien de modérer votre reproduction. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on trouve des planètes en plus où l'on peut exporter notre population, c'est bien de modérer votre reproduction. Autrement, personne ne vivra bien sur cette planète. Peu importe quelle technologie vous apportez, peu importe ce que vous faites, personne ne vivra bien sur cette planète si vous continuez à augmenter. Quand je dis continuer à augmenter, je veux que vous compreniez le niveau d'accroissement qu'on a causé. Au début du XXe siècle, on n'était que 1,5 milliard de personnes sur cette planète. En un siècle, en 110 ans, on atteint les 7 milliards de personnes. Et on est technologiquement plus avancé que jamais auparavant. Ce que 1000 hommes ne pouvaient pas faire, pouvaient faire, aujourd'hui un homme peut le faire, du fait des machines et autre chose qu'on a. Maintenant, les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, on sera 9,6 milliards. À 9,6 milliards de personnes, même si on vit, même si la Terre est exploitée au rythme actuel ou bien plus, chacun de nous devra vivre avec 40% de ressources en moins par rapport à aujourd'hui. Quand je dis ressources, ne pensez pas à des choses luxueuses, je parle de nourriture, d'eau, d'air, ces ressources-là. Vous allez devoir vivre avec 40% de moins. Ça veut dire que personne ne vivra bien. Oui? Seules quelques personnes qui contrôlent certaines choses iront bien. Toutes les autres souffriront énormément. Donc juste selon les fantaisies de chacun, continuer à faire des choses, l'humanité ne peut plus se le permettre. Il est temps que les êtres humains fonctionnent consciemment.
que juste arriver à 0% de croissance ne suffit pas. On doit passer en négatif. Au lieu de prédire qu'en 2050 on sera 9,6, pourquoi ne peut-on pas déterminer que d'ici 2050 on sera 3,5 ou 4 milliards de personnes? Être humain signifie tout faire consciemment. Qu'est-ce que cette compulsion d'avoir un enfant? D'une part, c'est biologique. Biologiquement, avoir un enfant n'est pas une expérience agréable. Laissez-moi vous le dire. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a accouché. C'est juste la satisfaction d'être impliqué dans quelque chose. C'est la satisfaction de voir quelque chose comme une partie de soi-même. Si vous en avez la volonté, vous pouvez connaître cette satisfaction avec quasiment n'importe quoi dans votre vie. Si vous êtes engagé et impliqué dans quelque chose dans votre vie, cette satisfaction est très bien prise en charge. Ceci n'est pas une campagne contre les enfants. C'est une campagne pour les futurs enfants, pour que les générations futures vivent bien. Nous devons mener nos vies consciemment. Mener notre vie consciemment a un aspect majeur en ce moment, parce qu'on ne peut pas agrandir la planète, vous devez diminuer la population. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit vous le faites, soit la nature va le faire. Quand la nature le fait, ça ne sera pas sympa. Ça ne sera pas sympa du tout.